Des témoins nous ont informés qu'il pourrait y avoir encore d'autres personnes ensevelies sous la couche de neige. C'est pour ça qu'on poursuit à l'heure actuelle les recherches avec des moyens considérables. Depuis le déclenchement de l'alarme, à l'heure actuelle, on a engagé pas moins de 244 personnes issues des forces de police, des colonnes de secours, du médical et de l'armée. Sur le plan matériel, c'est 8 hélicoptères qui ont été engagés, avec aussi en appui 8 dameuses mises à disposition par CMA pour le transport de matériel et de personnel directement sur le site.